Alors pour le thème de Silent Hill, pour Promise de Akira, j'ai donc dans la partition, moi j'ai noté les différentes parties, je ne les ai pas notées telles quelles dans la structure, c'est-à-dire il y a une partie qu'on fait deux, une autre 7 fois, 8 fois, enfin je sais pas combien exactement. Là j'ai noté que des doublons, hein, donc il n'y a pas, faut pas chercher non plus trop loin. Vous écoutez l'original si vous voulez absolument jouer l'original, et puis vous écrivez vous-même sur la partition combien de fois il faut faire chaque partie, quoi. Voilà, c'est pas non plus la mer à boire. C'est juste, voilà, j'ai pas écrit la main gauche à la clé de fa, comme d'habitude chez moi, je l'écris toujours avec les accords. Donc, je vais juste vous dire comment on les joue, et puis après, je vous montrerai vite fait comment on joue chaque partie. Mais la main gauche reste toujours la même, hein. Alors, pour le sol mineur, ça va être simple, ça va être ça. Alors, je recule un peu la caméra, voilà. Ça va donner. Voilà, donc sur que. Donc on va jouer sur les croches, chaque accord dure deux temps, donc quatre croches chacun. Ensuite pour le mi bémol septième ça va être. Ensuite le do sur une base de mi. Mi bémol. Alors certains font le sol mineur sur une base de ré, pourquoi pas? Ça, donc c'est moins compliqué, vu que vous n'avez pas à bouger la main gauche. Donc ça donne ça. Voilà. Donc bah, je vous joue bah, un petit peu le tout hein, maintenant. Donc ça donne. Voilà, vous avez les trois grandes parties comme ça que je viens de vous jouer pour vous montrer. Et après, ben, vous les mettez dans l'ordre, enfin, vous mettez le nombre de fois qu'elles sont nécessaires pour que vous soyez content de vous si vous souhaitez jouer exactement l'original. Sinon, vous pouvez vous contenter de ça et puis après, vous faites un mix entre les trois parties, hein. Vous faites A, B, C, B, A, C, B, enfin, etc. Voilà. Voilà, j'ai noté les accords. Le mi bémol septième, je crois que c'est plutôt un mi bémol septième majeur. C'est celui-là. C'est si jamais vous voulez changer d'accompagnement. Et puis alors le mi bémol naturel, c'est plutôt un mi bémol 6 même, parce qu'il y a le do dedans. Alors j'ai mis un fa entre parenthèses. Bon, il n'est pas à faire, hein, évidemment, dans l'original, on ne fait pas. Mais c'est si jamais, voilà, vous voulez. Faire une petite improvisation dessus, c'est sympa de faire le fa avant de repasser au sol. C'est pas obligatoire, hein. C'est pour ça qu'il est entre parenthèses. Le morceau est pas très dur, la main gauche fait toujours la même chose, donc voilà, ça devrait pas non plus être trop long pour vous d'apprendre ça. Si jamais le thème vous plaît, voilà. Ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.